J'étais très fatiguée parce que je ne devais pas tenir très longtemps. Allez, pousse-toi un peu. Bonsoir, monsieur Hamti. Ouf. Maman? Oui, pardon. Qu'est-ce que nous lisions? De l'autre côté du miroir. Bien. Je vais te dire quelles sont mes idées pour la maison du miroir. Qu'est-ce que c'est un miroir? C'est une glace, comme celle-ci. Maman! Oh, je suis désolée. Bien. D'abord, il y a la pièce qu'on peut voir à travers le miroir. Il y a une chambre à travers le miroir, je l'ai vue. Vraiment? Je pense qu'elle est à peu près comme cette chambre, n'est-ce pas? Juste inversée. Non, différente, complètement différente. Va regarder. Tu veux que je me lève pour aller voir? Oh, je vas-y, ici. S'il te plaît. Oh, tu sais que tu peux être méchante. Vas-y. Bon, très bien. Alors, tu la vois? Ce que je vois, c'est toi et moi. Je préférerais ne pas me voir en ce moment. Parle-moi de la chambre, celle à travers le miroir. Eh bien, je ne vois que celle-là, mais avec toutes tes affaires. Tu ne regardes pas assez bien. Il faut vraiment y croire avant de commencer à regarder. D'abord, il y a cette pièce que l'on voit à travers le miroir. Elle ressemble à notre salon, mais toutes les choses sont inversées. Je le sais parce que j'ai tenu un de nos livres devant la glace et ensuite tenu un autre dans l'autre pièce. Comme ce serait bien si on pouvait aller dans la maison du miroir. Vas-y, essaie! Il pourrait quand même faire un peu mieux le ménage ici. Oh, voilà la reine blanche et le roi blanc qui se promènent tranquillement. Ils ne doivent pas pouvoir m'entendre. Et je suis certaine qu'ils ne me voient pas. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être devenue invisible. Non! C'est la voix de mon enfant! Ma précieuse Lily! Mon petit cœur impérial! J'arrive! Gare au volcan! Quel volcan? Il m'a projeté par ici! Vous, passez par notre chemin! Ne vous faites pas projeter en l'air! Oh, mais vous mettrez des heures et des heures pour remonter sur cette table. Il vaut bien mieux que je vous aide. Oh, mais ne faites donc pas cette tête. Vous allez me faire rire et je risque de vous lâcher. De l'eau. Je vous assure, ma chère, j'ai eu un frisson qui m'a secoué jusqu'au bout de mes favoris. Oh, vous appelez cela des favoris? Oh, l'horreur insoutenable. Je ne pourrai jamais, jamais l'oublier. Vous pourriez l'oublier si vous ne le notez pas sur votre pense-bête. Le jaboteur. Il était forteur et les souplins se tovent sur la pelouse giraient et vrille voltaient. J'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est pour m'insuffler des idées. L'ennui, c'est que je ne vois pas tout à fait lesquelles. Mais si je ne me presse pas, je devrais retraverser le miroir avant d'avoir eu le temps de voir à quoi ressemble le reste.
Je vais commencer par le jardin. Ma chère, il me faudrait un crayon plus fin. Je ne parviens pas à mener celui-ci. Il écrit de différentes façons dont le sens m'échappe. Qu'avez-vous donc écrit ? Le roi blanc s'est laissé glisser sur le tisonnier. Il n'a guère le sens de l'équilibre. Ce n'est certainement pas vous qui avez pu écrire ces lignes. Je pouvais monter au sommet de cette colline. Et voilà le chemin qui va m'y conduire. Oh, jolie fleur. Dommage que vous ne parliez pas. Nous parlons, mais quand cela en vaut la peine, c'est tout. Exactement. Oh, quelle énigode! Comment se fait-il que vous sachiez toutes parler? Je suis allée dans nombre de jardins où aucune fleur ne parlait. Mettez votre main sur le sol et vous comprendrez pourquoi. Dans la majorité des jardins, le sol est bien trop mou et les fleurs passent leur temps à dormir. Je n'y avais jamais pensé. J'ai la curieuse impression que vous ne pensez jamais à rien. Manifestement. Y a-t-il d'autres êtres humains dans ce jardin, en dehors de moi? Il y a une autre fleur dans le jardin qui peut Absolument. Se déplacer comme vous. Mais elle est plus touffue que vous ne l'êtes. Elle n'est pas comme moi. Disons qu'elle est aussi disgracieuse que vous l'êtes. Mais elle est plus rouge et ses pétales sont plus courts. Oui. Mais ils ne donnent pas comme les vôtres, cet air négligé. Mais ce n'est pas votre faute. Vous commencez à vous flétrir, ma pauvre. Oui. Je vous le dis. Et il est normal que vos pétales pendent tristement dans tous les sens. Sortez-vous, allez-vous, levez les yeux, articulez et ne tortillez pas vos doigts tout le temps. J'ai perdu mon chemin. Que voulez-vous dire par votre chemin? Tous les chemins ici m'appartiennent. Mais pourquoi êtes-vous venu par ici d'abord? Faites la révérence pendant que vous tentez de trouver une réponse, vous gagnerez du temps comme ça. Il est temps à présent de répondre. Alors ouvrez la bouche encore plus grande quand vous parlez et dites toujours votre majesté. Je voulais seulement voir à quoi ressemblait le jardin. Votre Majesté. Là, c'est bien. Mais quand vous parlez de jardin, j'en ai vu qui, en comparaison de celui-ci, paraîtrait une véritable petite jungle. Et je me suis dit que je devais monter sur la colline. Quand vous parlez de colline, je pourrais vous en montrer bon nombre qui pourraient faire passer celle-ci pour une vallée. Non, je regrette. Une colline ne peut être une vallée, voyons. Ça n'aurait pas de sens. De non-sens, si ça vous plaît. Mais j'ai entendu des non-sens qui, en comparaison de celui-ci, paraîtraient aussi sensés qu'un dictionnaire. Cela paraît ressembler à un échiquier immense. C'est une grande, une gigantesque partie d'échecs qui est en train de se jouer. Oh, comme je voudrais pouvoir y participer. Cela peut aisément s'arranger. Vous pouvez devenir le pion de la Reine Blanche, étant donné que Lily est trop jeune pour jouer. Bien, vous vous placez dans la deuxième case pour commencer. Quand vous serez arrivé à la huitième case, vous serez une reine. Une reine? Mmh. Avez-vous soif? Terriblement. Prenez un biscuit. Pendant que vous vous désaltérez, je vais en profiter pour prendre des mesures. Au bout de 2 mètres...
Je vous donnerai des instructions. Un autre biscuit? Merci. Votre soif est étanchée, j'espère. Au bout de 3 mètres, je vous répéterai les instructions par crainte que vous ne vous les rappeliez pas. Au bout de 4 mètres, je vous dirai au revoir. Et au bout de 5 mètres, je vous quitterai. Bien. Le pion avance de 2 cases quand il se déplace la première fois. Donc, vous traverserez très vite la 3e case. Avec le train, je suppose. Et vous vous retrouverez sur la 4e case en un rien de temps. Et cette case appartient à Tweedledum et Tweedledee. La 5e case contient essentiellement de l'eau. La 6e case appartient à Humpty Dumpty. Mais je n'entends aucune remarque. Je ne savais pas que je me devais d'en faire. Vous auriez dû dire. C'est extrêmement aimable de votre part de me raconter ceci. Toutefois, nous admettrons que cela a été dit. La 7e case est couverte de forêt, mais un cavalier vous indiquera le chemin. Et sur la 8e case, nous serons reines toutes les deux, et ce ne sera que festivité et festa. Vous parlerez anglais si vous ne connaissez pas le mot français pour un objet. Écartez la pointe de vos pieds en marchant, et n'oubliez pas qui vous êtes. Au revoir. Billets, s'il vous plaît. Alors, alors, où est votre billet, petite? Ne le faites pas attendre. Son temps vaut 1000 livres sterling la minute. J'avoue que je n'en ai pas. Il n'y avait pas de guichet à l'arrêt précédent. Il n'y avait pas de place pour en installer un. Le terrain vaut 1000 livres sterling le centimètre carré. Ça n'est pas une excuse. Vous auriez dû en acheter un au mécanicien. L'homme qui conduit la locomotive? La fumée seule vaut 1000 livres sterling la bouffée. Je ne sais pas trop quoi dire. Il vaut mieux ne rien dire du tout. Le langage vaut 1000 livres sterling le mot. Je vais rêver d'un 1000000 de livres sterling cette nuit, c'est sûr. Vous savez que vous allez dans le mauvais sens. Pardon, mais une fille aussi jeune devrait savoir dans quelle direction aller. Même si elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle devrait connaître la direction du guichet, même si elle ne connaît pas son alphabet. Il va falloir qu'elle reparte par la poste maintenant. En joli colis postal. On dirait un cheval. Vous pourriez faire une plaisanterie à ce sujet. Quelque chose avec cheval, cavale. Elle peut retourner par la poste. Elle m'a l'air plutôt timbrée. Elle pourrait être expédiée en message télégraphique. C'est très agréable. Elle devrait traîner le train elle-même jusqu'à la fin du voyage. N'écoutez pas ce qu'il raconte, mais prenez un aller-retour chaque fois que le train s'arrêtera. Ah non, pas question, je n'ai rien à faire de ce voyage en chemin de fer, moi, je regrette. J'étais dans une forêt il y a un instant, et je voudrais bien y retourner. Vous pourriez faire un jeu de mots, quelque chose comme « vous le feriez si vous pouviez ». Si vous aimez tellement les jeux de mots, pourquoi alors ne pas en faire un vous-même ? Je sais que vous êtes une amie très chère et une vieille amie, et vous ne me ferez pas de mal, bien que je sois un insecte. Quelle sorte d'insecte ? Quoi ? Vous ne savez pas que je suis un moucheron? Nous sommes arrivés à la 4e case! 4e case! 4e case! On change! Nous sommes arrivés à la 4e case! 4e case! On change! 4e case! On change! Vous n'aimez pas tous les insectes? J'aime ceux qui parlent. Il n'y en a pas qui parlent au pays d'où je viens. Quelle sorte d'insecte êtes-vous réjoui de voir? Je ne suis pas réjoui de voir un insecte. Parce qu'en général, ils me font plutôt peur. Les gros, tout du moins. Mais je pourrais vous donner les noms de plusieurs d'entre eux. Et bien sûr, ils répondent quand vous les appelez. Je ne savais pas qu'ils pouvaient le faire. Quel est leur intérêt d'avoir un nom s'ils ne répondent pas quand on les appelle? Eh bien, aucun intérêt pour eux, mais seulement pour ceux qui les appellent, je suppose. Sinon, pourquoi chaque chose aurait-elle un nom? Ah, je n'en sais rien. Et puis surtout, dans cette forêt, ils n'ont pas de nom précis. Toutefois, qu'avez-vous sur votre liste? Vous perdez du temps. Pour commencer, le temps... Alors regardez par là, et vous verrez un temps charlat ou charlatan. Il est entièrement en bois, et il se déplace en se balançant de branche en branche. Mais de quoi vit-il? De rébus et de chimères. Continuez votre liste. Ensuite, il y a la... La libellule. Regardez la branche au-dessus de vous. Vous voyez un libellulo adulte. Son corps est constitué de pattes soufflées.
Et ses ailes sont faites de feuilles. Et sa tête est un petit raisin enflammé au cognac. Et de quoi se nourrit-il? De bouillie de froment. Et il vit dans les restes des paquets cadeaux. Et j'ai aussi le papillon. Rampant à vos pieds, vous remarquez un pin papillon. Ses ailes sont constituées de fines tranches de pain. Son corps est en mie de pain et sa tête est un morceau de sucre. Et de quoi se nourrit-il? De thé d'orge avec un peu de lait. Mais si jamais il ne peut pas en trouver? Eh bien, il meurt, bien entendu. Je suppose que ça arrive souvent. Mais tout le temps, petite. Et bien, je suppose que vous ne voudriez pas perdre votre nom. Alors ça, non. Et pourtant, je ne sais pas, c'est vrai. Imaginez comme cela serait pratique si vous rentriez chez vous sans nom. Par exemple, si votre gouvernante vous appelait pour vos devoirs, elle ne pourrait que crier « Venez !» Et là, elle devrait s'arrêter puisque vous n'auriez pas de nom. Donc, vous n'auriez pas à accourir. Oh, mais ça ne suffirait pas, je crois. Une gouvernante ne se contenterait pas de ce genre d'excuses. Et si elle disait « Répondez-moi », sans rien ajouter, vous n'auriez qu'à dire « Moi, sans venir ». C'est un jeu de mots. Ah ben, j'aurais souhaité que vous le fassiez. Pourquoi vouliez-vous que je le fasse? Il est vraiment très mauvais. Non. Vous ne devriez pas faire de jeu de mots si cela vous rend triste à ce point-là. Ce doit être la forêt où les choses n'ont pas de nom. Je me demande ce que deviendra mon nom si je continue. Prends garde au jaboteur, petite. Sa mâchoire peut mordre. La maison de Tweedledum, la maison de Tweedledee. Je suppose qu'ils vivent dans la même maison. Il y a des chances pour qu'il y ait écrit Tweedle derrière leur col. Si vous nous prenez pour des figurines de cire, vous devez payer. On ne regarde pas une figurine de cire sans contrepartie. Si vous croyez que nous sommes vivants, vous devriez parler. Excusez-moi, bien sûr. Tweedledum et Tweedledee sont au bord de la querelle car Tweedledum dit que Tweedledee a abîmé sa nouvelle crécelle. Je sais ce que vous pensez, mais c'est faux. Oh non. Si cela était vrai, ça ne serait pas faux. Si ça n'était pas vrai, ça devrait l'être. Mais comme ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est logique. Je me demandais quel était le meilleur chemin pour sortir de la forêt. Il va bientôt faire nuit. Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Vous commencez. Suivant. Je suis désolée. Vous vous y êtes très mal prise. La première chose à dire à quelqu'un, c'est « Bonjour ». Et de lui serrer la main. Deux petits tours, c'est assez pour une danse. Ce n'est pas indiqué de dire bonjour maintenant. J'ai comme l'impression que nous ne sommes plus là. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Non, je vais très bien. Très aimable à vous de vous en inquiéter. Très, très obligé. Vous aimez la poésie? Oui. Plutôt, oui. Certaines poésies. Voulez-vous m'indiquer le chemin pour sortir? Est-ce que je lui en écris une? Le morse et le charpentier, c'est la plus longue. Elle est très longue? J'ai une idée. On va réciter le morse et le charpentier. Grande idée. Si elle est longue, vous pourriez me dire d'abord... Le saumon brillait sur la mer. Il brillait de mille feux. Il s'efforçait de calmer les flots impétueux. C'était bizarre parce que c'était au milieu de la nuit.
La lune luisait rageusement parce qu'elle pensait que le soleil n'aurait pas pu se trouver là. La journée était finie. C'est fort impoli, disait-elle, de jouer les troubles fêtes. La mer était mouillée, oui, autant que possible. Le sable était sec. Vous ne pouviez voir de nuages, car dans le ciel, il n'y en avait aucun. Aucun oiseau n'aurait volé au-dessus de votre tête, car il n'y avait aucun oiseau à voler. Le morse et le charpentier. Ils marchaient l'un à côté de l'autre, pleurant de voir autant de sable. Si cela avait été une fois déblayé, cela aurait été réjouissant. Si cette femme de chambre armée de 7 serpillières l'épongeait pendant 6 mois, croyez-vous, dit le morse, que tout redeviendrait dans l'ordre des choses? Ça, j'en doute, dit le charpentier, et ils versèrent une petite larme. Oh, huître, venez nous tenir compagnie, dit aimablement le morse. Promenons-nous le long de la plage salée. Nous ne pouvons en emmener que 4, car nous devons vous donner la main. La plus âgée des huîtres le regarda, mais ne prononça pas un mot. Non, la plus âgée des huîtres cligne de l'œil en hochant la tête, signifiant qu'elle préférait ne pas quitter sa place. Mais 4 jeunes accoururent, ravis de l'invitation. Le visage lavé, leurs vêtements brossés, leurs chaussures bien cirées. Ce qui était curieux parce qu'elles n'avaient pas de pieds. Elles furent suivies par 4 autres, et rapidement d'autres encore, encore et encore. Sautillant sur l'écume des vagues et se précipitant sur le rivage. Le morse et le charpentier parcoururent un bon kilomètre, puis s'assirent sur un rocher suffisamment bas. Et toutes les huîtres s'arrêtèrent en rang devant ce rocher. Le moment est venu, dit le morse, de parler de différentes choses. De chaussures, de bateaux, de princes, de choux, de sirac acheté, de savoir pourquoi la rue est bouillante et si les cochons ont des ailes. Attendez un peu, crièrent les huîtres. Avant de commencer, car bon nombre d'entre nous sont essoufflés et nous sommes toutes bien grasses. Rien ne presse, dit le charpentier. Ils s'empressèrent de le remercier. Une miche de pain, dit le morse. Voilà ce que nous proposons. Du vinaigre et du sel seront appréciés. Bien, si vous êtes prêtes, chères huîtres, nous pouvons commencer à déjeuner. Pas à nos dépens, dirent les huîtres en pâlissant. Après tant de gentillesse, cela serait d'une horrible noirceur. Cela semble honteux, dit le morse, de leur jouer pareil vilain tour après les avoir menés si loin et trottés si vite. Le charpentier ne dit rien, mais... Fallait mettre moins de beurre. Oh, je pleure, dit le morse, en pensant à votre horrible sort. En pleurs et secoué de sanglots, il prit les plus grosses, tout en tenant son mouchoir devant ses yeux embués. Oh, huître, dit le charpentier, vous avez fait une jolie promenade, il serait temps de rentrer. Mais il n'entendit pas de réponse. Et cela n'avait rien de bizarre, parce que... Il les avait avalés jusqu'à la dernière. Je préfère le morse, parce que lui, au moins, il a eu un peu de pitié pour les huîtres. Il en a mangé plus que le charpentier, pourtant. En fait, il tenait son mouchoir devant lui pour que le charpentier ne puisse compter celle qui l'avalait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas joli. Eh bien, alors, je préfère le charpentier s'il n'en a pas avalé autant que le morse. Mais il a mangé tout ce qu'il a trouvé. Dans ce cas, l'un comme l'autre sont de tristes personnages. Y a-t-il des lions et des tigres par ici? Non, il y a seulement le roi rouge qui ronfle. Approchez, venez voir. Avouez qu'il est attendrissant. Il ronfle comme un sonneur. J'ai bien peur qu'il ne prenne froid, couché sur de la paille humide. Il rêve maintenant. À quoi rêve-t-il, d'après vous? Mais personne ne peut le deviner. Mais il rêve de vous. S'il ne rêvait plus de vous, où seriez-vous? Où je suis maintenant, bien sûr. Non, pas du tout. Oh non, vous seriez nulle part. Vous n'êtes qu'une espèce de chose dans son rêve. Et si le roi venait à se réveiller brusquement, vous disparaîtriez. Pouf! Oui, comme ça. Comme ça? Non. Pas comme ça. Comme ça. Si je ne suis qu'une espèce de chose dans son rêve, qu'est-ce que vous pouvez être? Je serais curieuse de le savoir. Ditto. Oui, ditto. Ditto. Chut, vous allez le réveiller si vous parlez trop fort. Ça vous va bien de dire de parler de le réveiller alors que vous n'êtes qu'une espèce de chose dans son rêve? Vous savez bien que vous n'êtes pas réel. Je suis réel. Je suis réel. Ce n'est pas en pleurant que vous deviendrez plus réel. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer.
Si je n'étais pas réelle, je ne pourrais pas pleurer. J'espère que vous ne pensez pas une seconde que ce sont de vraies larmes. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je sorte de cette forêt parce qu'il commence à faire nuit. Vous croyez qu'il va pleuvoir? Non, je ne crois pas. En tout cas, pas ici, de toute façon. Mais il pourrait pleuvoir à l'extérieur. Oui, il pourrait. S'il le veut. Nous n'avons pas d'objection, n'est-ce pas? Non. Quels petits égoïstes! Oh, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous la voyez? Ce n'est qu'une crécelle. Elle n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'une vieille crécelle cassée. Quand j'en étais sûr, elle ne marche plus. Ne vous mettez pas dans cet état pour une vieille crécelle. Ce n'est pas une vieille crécelle. Elle est toute neuve. Je le sais parce que je l'ai achetée hier. C'est une belle crécelle toute neuve. Notre querelle vient de là, nous sommes d'accord. Bien entendu. Mais si nous devons nous battre, elle doit nous aider à nous vêtir. J'espère que vous savez épingler et faire des nœuds. Nous devons accrocher sur nous des choses d'une façon ou d'une autre. Oui. Voyez-vous, l'un des pires ennuis qui puisse se produire pendant un combat, c'est d'avoir la tête tranchée. Je suis pâle. Oui, un petit peu. En général, je suis plutôt courageux, mais aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Et moi, j'ai une rage de dents. Je suis en bien plus mauvais état. Il vaudrait peut-être mieux ne pas vous battre aujourd'hui. Non, en fait, on peut se battre un peu. Mais inutile que cela dure longtemps, n'est-ce pas? Quelle heure est-il? Presque la nuit. Bien. Battons-nous jusqu'à 6 heures et ensuite disons... Oui, bonne idée. Elle peut nous regarder. Oui. Attention de ne pas trop vous approcher, surtout. Il m'arrive de frapper sur tout ce que je vois quand je suis surexcité. Oui, et moi je frappe sur tout ce que je vois et le reste. Eh bien, vous devez donc frapper souvent les arbres. Je ne crois pas qu'un seul arbre sera debout quand nous aurons fini. Tout ça pour une vieille crécelle. C'est à ce moment-là que surgit un corbeau aussi noir que le fond d'un puits. Il fit peur à nos deux compères qui oublièrent aussitôt leur querelle. Oh, c'est le corbeau. C'est le corbeau. Ah, vous me parlez, on repart très lentement. Bien sûr, ne cours pas sur toi. Attends, j'ai compris, j'ai compris. Si, cours. Le corbeau ne viendra pas ici. Il est bien trop grand pour parvenir à entrer. D'avoir été là au moment opportun. Du pain et du beurre, du pain et du beurre. Du pain et du beurre. C'est bien à la Reine Blanche que je m'adresse. Comment parlez-vous d'adresse alors que vous venez de faire preuve de maladresse? Pour commencer, si votre majesté voulait me dire comment procéder, alors je ferai de mon mieux. Mais je ne veux rien commencer du tout. En fait, je pense surtout à terminer de m'habiller, puisque j'ai déjà commencé. Alors je peux vous aider à ajuster votre chambre. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Il est de mauvaise humeur, sans doute. J'ai mis une épingle ici, j'en ai mis une là, mais visiblement, ça ne lui fait pas plaisir. À mon avis, il ne peut pas rester droit, voyez-vous, si vous l'épinglez d'un seul côté. Là. Oh, excusez-moi, mais vos cheveux sont dans un état. Je sais, ma brosse s'est entortillée dedans. Et j'ai égaré mon peigne hier soir. Il vous faudrait une dame de compagnie? Mais je vous engagerai avec plaisir. 2 pence par semaine et confiture tous les autres jours. Non, je ne parlais pas de moi. Je ne veux pas de confiture. C'est de la très bonne confiture. En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. Vous n'en auriez pas, même si vous en vouliez. La règle est formelle. Confiture demain et confiture hier, mais jamais aujourd'hui. Mais il y a bien un moment où la confiture est aujourd'hui. Oh non, impossible. C'est confiture tous les autres jours.
Je ne comprends pas trop. Vous m'avez totalement embrouillée. C'est ce qui arrive quand on vit à l'envers. Et il se peut même qu'on ait la tête qui tourne au début. Vivre à l'envers, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Mais il y a un gros avantage. C'est que la mémoire fonctionne dans les deux sens. Moi, la mienne ne fonctionne que dans un sens. Je ne me souviens pas des choses avant qu'elles se soient produites. Mais quelle peut être cette pauvre mémoire qui ne fonctionne? Qu'à reculons. De quel genre d'événement vous vous souvenez le mieux? Oh, ceux qui se sont passés la semaine suivante. Par exemple, il y a le cas de ce messager. Il est en prison parce qu'il a été condamné. Un innocent. Le procès ne débutera que mercredi prochain. Et bien sûr, le crime n'est pas encore commis. Mais si jamais le crime n'était jamais commis? Eh bien, dans ce cas, tout serait pour le mieux, non? Ce serait pour le mieux, mais ce serait mieux encore s'il n'était pas puni. Là, vous êtes dans l'erreur. N'avez-vous jamais été puni? Juste pour des fautes. Et vous ne vous en trouviez que mieux? Oui, en effet, mais j'avais commis les fautes pour lesquelles j'avais été puni. Voilà la différence. Mais si vous ne les aviez pas commises, cela aurait été mieux encore. 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 Oh, oh, mais mon doigt saigne. Que s'est-il passé? Vous vous êtes piqué? Pas encore, mais cela va venir. Et quand comptez-vous vous piquer? Quand j'ajusterai mon châle à nouveau. La broche va se défaire toute seule. Prenez garde, vous la tenez à l'envers. Ah. Eh bien, voilà donc pourquoi je saignais. Vous comprenez maintenant comment les choses se passent ici? Vous n'allez pas recommencer à crier? Pourquoi? J'ai déjà bien suffisamment crié. Je ne vois pas à quoi cela servirait de tout recommencer. Tant mieux, je suis contente. Je voudrais pouvoir être contente, moi aussi. Mais je ne me rappelle pas la règle à appliquer. Alors que vous, dans cette forêt, vous êtes heureuse. Et vous pouvez être satisfaite quand vous le souhaitez. Oui, sauf que je m'y sens bien seule. Oh, oh, allons, allons, arrêtez. Songez que vous êtes une grande fille. Songez au long chemin que vous avez déjà parcouru. Songez à l'heure qu'il est. Songez à ce que vous voudrez, mais évitez de pleurer. Vous pouvez vous empêcher de pleurer en pensant à certaines choses? C'est ainsi qu'il faut procéder. Nul ne peut faire deux choses à la fois, voyez-vous? Alors, nous allons évoquer votre âge pour commencer. Quel âge avez-vous? J'ai 7 ans et demi, exactement. Inutile d'ajouter exactement, je veux bien vous croire. Je vais vous confier quelque chose que vous devez croire. Apprenez que j'ai 101 ans, 5 mois et 1 jour. Oh, je ne peux pas le croire. Vraiment? Essayez encore. Prenez une longue inspiration et fermez les yeux. Non, inutile d'essayer, je ne peux pas croire l'impossible, voyons. Je dirais que vous ne vous êtes pas assez exercée. Quand j'avais votre âge, je m'exerçais 1 demi-heure chaque jour. Oui, il m'est arrivé de pouvoir croire près de 6 impossibles choses avant mon petit déjeuner. Voilà le châle qui s'en va à nouveau. J'espère que votre doigt va mieux. Voulez-vous acheter? Je ne sais pas trop quoi encore. Je voudrais d'abord jeter un coup d'œil autour de moi, si je peux. Vous pouvez regarder devant vous? Oui, sur les deux côtés, si vous le voulez, mais vous ne pouvez pas regarder derrière vous, sauf si vous avez des yeux dans le dos. Êtes-vous une enfant ou une toupie? Vous me donnez le tournis à tourner comme ça. Je voudrais bien un œuf, s'il vous plaît. Combien les vendez-vous? Je les vends 5 sous pour un et 2 sous pour deux. Donc, oui, deux sont moins chers qu'un. Mais vous devez manger les deux si vous en achetez deux. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Il est possible qu'il ne soit pas de grande qualité. Je ne mets jamais mes articles dans les mains des gens. Cela serait inconvenant. Vous devez vous servir vous-même.
ne vois pas pourquoi ce serait inconvenant. L'œuf semble s'éloigner au fur et à mesure que je m'en approche. Comme c'est curieux de voir des arbres pousser ici. C'est vraiment la boutique la plus singulière que j'ai vue. Il faut dire qu'il ressemble à un gros œuf. Il est vraiment exaspérant d'être traité de gros œuf. Vraiment. J'ai dit que vous ressembliez à un œuf. Et certains œufs ont fort belle allure. Comme certains adultes n'ont pas plus de bon sens qu'un bébé. Humpty Dumpty est assis sur un mur. Humpty Dumpty s'est cassé la figure. Ni les chevaux du roi, pas plus que les soldats, n'ont pu soulever Humpty Dumpty comme il se doit. Ce dernier vers est trop long pour cette poésie. Que faites-vous donc assis seul là-haut? Moi? Mais je suis seul parce qu'il n'y a personne d'autre. Vous ne pensez pas que vous seriez plus en sécurité sur le sol? Ce mur est bien étroit. Elle est extrêmement facile, cette devinette. Il est bien évident que je ne le pense pas. Parce que si je venais à tomber, ce qui est impensable, disons que si je devais tomber, le roi m'a fait le serment. Vous ne vous attendiez pas à ce que je réponde. Le roi de sa propre bouche m'a promis d'envoyer tous ses soldats et tous ses chevaux. Alors là, vous m'épatez. Vous avez écouté aux portes ou derrière les arbres, dans les cheminées, sinon vous ne pourriez le savoir. Je n'ai rien écouté, c'est écrit dans le livre. On peut écrire ce genre de choses, en effet. Regardez-moi d'un peu plus près. Je vous signale que j'ai adressé la parole à un roi. Et pour montrer que je ne suis pas fier, vous pouvez me serrer la main. Quel âge avez-vous dit que vous aviez ? 7 ans et 6 mois. Vous ne me l'aviez jamais dit. Oui, mais je pensais que vous vouliez savoir mon âge. Si je l'avais voulu, je vous l'aurais dit. Si vous m'aviez demandé mon avis, je vous aurais dit... Arrêtez, vous avez 7 ans. Ben, il est trop tard maintenant. Vous semblez très fort pour expliquer les choses. Pourriez-vous m'expliquer un poème appelé le Jaboteur? Je peux expliquer tous les poèmes qui ont été inventés et une grande partie de ceux qui n'ont pas encore vu le jour. Il était forteur et les souplins se tovent. Sur la Peloin, j'irai et vril voltait. Tout m'y faire étaient les Borgroves et les Sonovacheurs meurflaient. Gare au Jaboteur, la mâchoire qui mord, la mâchoire qui capte. Gare à l'oiseau Juju et au frugneux Bariganeur. Il prit son épée et la brandit devant lui. Il s'abrita près de l'arbre tentateur et se tint sur ses gardes, car la menace était proche. Le Jaboteur, avec ses yeux de flamme, surgit du fond de la forêt-bois tout en meurflant. Un, deux, et encore la lame balayait l'espace. Il le laissa pour mort et avec sa tête s'évapora naissant. Tu as pourfendu le Jaboteur? Dans mes bras, mon chevalier rayonnant, au jour fameux glorieux, aïe, il s'étrempouffa de joie. Sur la Peloin, j'irai et vrille voltait. Tout m'y faire étaient les Borgroves et les Sonovacheurs meurflaient. Beaucoup de mots difficiles pour vous, Eh bien, forteur veut dire qu'il est tard et qu'il est temps de préparer le repas du dîner. En effet, c'est plausible. Et souplince? Eh bien, souplince veut dire souple et mince. C'est une contraction de deux mots pour en créer un englobant différents sens. Oh, je crois comprendre.
Et girer et vrille-volter? Alors, girer, c'est tourner en rond un peu comme un gyroscope. Et vrille-volter, ça veut dire creuser avec une vrille. Et alors, pelouin, c'est la pelouse devant un cadran solaire, je suppose. Mais bien entendu, elle s'appelle ainsi parce que c'est une pelouse qui s'étend loin devant le cadran et loin aussi derrière le cadran. Et loin aussi, bien sûr, sur les deux côtés. Exactement. Hémisphère est une contraction de misérable et de faible. C'est exactement comme pour souplince. Et un borogrove, c'est un oiseau patibulaire avec des plumes qui pendent tout autour du corps, un peu comme une serpillière vivante. Et pour le mot meurfle? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est une espèce de cri entre un meuglement et un sifflet avec un éternuement au milieu. Toutefois, vous l'entendrez à un moment quand vous serez à l'orée de la forêt. Et quand vous l'aurez entendu, vous serez bien contente qu'il s'arrête. C'est tout. Au revoir. Au revoir. À une prochaine fois. Je ne vous reconnaîtrai pas si on se revoit. Vous êtes comme les autres, finalement. Deux yeux, un nez au milieu et une bouche en dessous, c'est toujours la même chose en fait. Si vous aviez les deux yeux du même côté de votre nez et la bouche sur le front, là oui, ça pourrait être utile. Mais ça ne serait pas joli. Attendez, attendez d'avoir essayé. Au revoir. De tous les personnages farfelus... que j'ai pu voir, il décroche le pompon. Attendez d'avoir essayé. Je les ai tous envoyés. Vous n'auriez pas croisé mes soldats pendant que vous traversiez la forêt? Si, en effet. Plusieurs milliers, je dirais. 4209. C'est le nombre précis. Je n'ai pas pu envoyer tous les chevaux parce que deux devaient rester pour le jeu. Je n'ai pas envoyé les deux messagers non plus. Ils sont partis pour la ville. Alors, regardez sur la route et dites-moi si vous apercevez l'un ou l'autre. Sur la route, je vois personne. Je voudrais tellement avoir des yeux qui puissent voir personne. Et à cette distance aussi. Moi, tout ce que je peux arriver à voir, c'est un personnage bien réel, c'est tout. Non, je vois quelqu'un maintenant. Mais il arrive très lentement. Oh. Il prend des attitudes bien curieuses. Pas du tout. C'est un anglo-saxon et bien entendu, il prend des attitudes anglo-saxonnes. Il ne prend celle-ci que s'il est joyeux. Et il s'appelle Haggas, avec un H. J'aime mon amant avec un H parce qu'il est heureux. Je le déteste avec un H parce qu'il est hideux. Je l'alimente avec du houblon et des haricots. Il s'appelle Haggas et il habite... Il habite à Haïti. L'autre messager s'appelait Hatta. Il m'en faut deux pour faire l'aller-retour. L'un fait l'aller, l'autre le retour. Je vous demande pardon? Pourquoi ça, vous n'avez rien fait de mal? Non, je veux dire que je ne comprends pas. Pourquoi l'un fait-il l'aller, l'autre le retour? Je ne l'ai pas dit. Il m'en faut deux pour le ravitaillement. Un pour chercher, l'autre pour porter. Ouais. Cette jeune personne vous aime avec un H. Je m'inquiétais un peu. Je vais défaillir. Donnez-moi un petit sandwich.
Un autre sandwich. Il ne reste plus que ça maintenant. Ah oui, bon, d'accord. Rien de tel qu'un petit encas quand on défaille. J'aurais pensé que recevoir un seau d'eau était plus approprié. Je n'ai pas dit que c'était plus approprié, j'ai dit qu'il n'y avait rien de tel. Qui avez-vous doublé sur la route? Personne. Oui, c'est normal, cette jeune personne l'a vue, elle aussi. Alors, bien sûr, une personne marche plus lentement que vous. J'ai fait de mon mieux. Je suis sûre que personne marche plus vite que moi. Ça ne peut être le cas, sinon il serait arrivé avant vous. Toutefois, maintenant que vous avez repris votre souffle, dites-nous ce qui s'est passé à la ville. Je vais le murmurer. Ils ont recommencé! Vous appelez ça murmurer? Si vous recommencez, je vous apprendrai à vivre. J'ai ressenti un tremblement de terre dans la tête. Il a dû être bien faible, ce tremblement de terre. Qui a recommencé? Mais le lion et la licorne, bien sûr. Ils se disputent la couronne? Oui, c'est évident. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que c'est de ma couronne qu'il s'agit encore. Courons vite les voir. Ma prisonnière. Ohé, ohé, échec. Elle est ma prisonnière, sachez-le. Oui. Mais je suis venu à son secours. Eh bien, nous devons donc nous battre pour elle. Vous respecterez les règles de combat, bien entendu. Comme toujours. Je me demande quelles peuvent être les règles. Une règle semble bien claire. Si un cavalier heurte l'autre, celui-ci tombe de son cheval. Et s'il le manque, il se fait tomber lui-même. Et une autre règle semble être qu'ils doivent tenir leur massue entre les bras comme des marionnettes. Une autre semble stipuler qu'il tombe toujours sur la tête. Et voilà. C'était une glorieuse victoire, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop. Je ne veux être la prisonnière de personne. Je veux devenir reine. Et vous le deviendrez quand vous aurez franchi le prochain ruisseau. Je vais vous protéger jusqu'à l'orée de la forêt. Et ensuite, je devrai repartir, voyez-vous. C'est la règle du jeu. Merci infiniment. Oh. Vous voulez que je vous aide à enlever votre casque, peut-être? Oh, s'il vous plaît. Je vois que vous admirez ma petite boîte. Elle est de mon invention. C'est pour conserver les aliments et les affaires. Oh, je la transporte exprès à l'envers. Voyez-vous, ainsi la pluie ne peut entrer. Mais ce qui est à l'intérieur peut tomber. Vous saviez que le couvercle était ouvert? Et non, ça non, je ne savais pas. Autrement dit, j'ai dû tout perdre en route. Et la boîte n'est donc plus utile si elle est vide. Ah.
Est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ça? J'espère que les abeilles vont venir y faire leur nid. Ainsi, je récolterai leur miel. Mais vous avez une ruche? Ou du moins, quelque chose qui ressemble attaché à votre selle? Oui, en effet. Ah, c'est une très bonne ruche, sûrement une des meilleures. Aucune abeille ne s'y est encore aventurée. Cette chose est un piège à souris, bien sûr. Je suppose que les souris doivent repousser les abeilles ou bien les abeilles repoussent les souris. Je ne saurais le dire. Je me demandais à quoi servait le piège à souris. Il y a fort peu de chances qu'on puisse trouver des souris sur un cheval. Oui, il y a peu de chances, peut-être, mais s'il devait y en avoir, je n'aurais pas à m'en préoccuper. Il faut toujours être prêt pour un imprévu, voyez-vous. C'est bien pour cette raison que le cheval porte des bandelettes autour des pattes. C'est pour quoi faire? Pour le protéger des morsures de requins. C'est aussi une de mes inventions, bien sûr. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je marcherai à vos côtés jusqu'à l'orée de la forêt. À quoi cela peut-il servir? C'est conçu pour un gâteau. Ah, il vaut mieux l'emporter avec nous pour le cas où nous trouverions un gâteau en chemin. Aidez-moi à l'entrer dans ceci. Oui, oh, c'est un peu étroit. Il y a un grand nombre de sangliers là-dedans. Ouf. J'espère que vos cheveux tiennent bien. Ils tiennent comme ceux de tout le monde? Ça ne sera peut-être pas suffisant. Le vent est particulièrement fort par ici. Aussi fort qu'une soupe. Vous avez inventé un système pour empêcher le vent de les emporter? Ah non, pas encore. Mais j'en ai un pour les empêcher de tomber. Je voudrais bien que vous me l'expliquiez. Bon, d'abord, il faut prendre un bâton bien droit. Ensuite, on y fait grimper les cheveux tel un arbre fruitier. La raison pour laquelle les cheveux tombent, c'est qu'ils pendent. Les choses ne tombent jamais vers le haut. C'est un système de mon invention. Oh. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'habitude de monter à cheval. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Généralement, les gens qui ont l'habitude ne tombent pas aussi souvent que vous. Oh. Oh. J'ai pourtant l'habitude, une grande habitude. Je ne fais pratiquement que ça. Pratiquement que ça. Ça se voit. Le grand art en matière d'équitation, c'est de bien... le grand art... Vous ne vous êtes rien cassé? Rien qui mérite d'en parler. C'est bien trop ridicule. Vous devriez avoir un cheval de bois à roulettes. Voilà ce qu'il vous faudrait. Il avancerait sans trop bouger. Il serait bien plus docile qu'un cheval vivant. Je m'en procurerais un ou deux, plusieurs. Je suis particulièrement créatif quand il s'agit d'inventer. Vous avez dû remarquer, la dernière fois où vous m'avez remis debout, que j'avais l'air plutôt pensif. Votre visage, en effet, était grave. À cet instant précis, je cherchais un moyen de franchir une barrière. Ça vous intéresse? Mais beaucoup, oui. Je vais vous dire comment l'idée m'est venue. Voyez-vous, je me suis dit, la seule difficulté, c'est de passer les pieds. La tête est suffisamment haute. Alors, je commence par poser la tête sur la barrière. Donc, la tête est assez haute. Ensuite, je fais l'équilibre sur la tête et les pieds sont assez hauts eux aussi. Voyez-vous? Donc, je passe. Oui, je suppose que vous pourriez passer après avoir fait tout ceci, mais ça me semble un peu compliqué. Je n'ai pas encore essayé, donc je n'ai aucune certitude. Mais il se pourrait que ce soit un peu compliqué. Comment continuez-vous à parler si tranquillement la tête en bas? Mais la position dans laquelle se trouve mon corps a une guerre d'importance. Mon esprit travaille de la même façon. En fait, plus je me tiens la tête en bas et plus j'invente de nouvelles choses. D'ailleurs, ce que j'ai fait de plus ingénieux... Ce
que j'ai fait de plus ingénieux, c'est inventer un nouveau gâteau alors qu'on venait de servir la viande. Attends pour qu'on puisse le faire cuire pour le service suivant. Ah oui, ça c'est du travail rapide, en effet. Pas pour le service suivant, certainement pas pour le service suivant. Alors sans doute pour le jour suivant. Je suppose que vous n'auriez pas accepté deux mêmes gâteaux au cours d'un dîner. Non, pas le jour suivant. Non, pas le jour suivant. En fait, je ne pense pas que ce gâteau ait été confectionné. En fait, je ne pense pas qu'il sera un jour confectionné. Et pourtant, je pense que c'était une des plus brillantes inventions. Qu'est-ce que vous utilisiez comme ingrédient? Cela commençait par du papier buvard. Cela n'aurait pas été agréable à avaler. Sans doute pas tout seul, mais vous n'avez pas idée de la différence une fois mélangé avec des ingrédients comme la poudre à canon et la cire à cacheter. C'est ici que je me dois de vous quitter. Vous êtes triste? J'aimerais vous raconter une histoire pour vous réconforter. Elle est très longue? Et oui, assez longue. Mais elle est vraiment magnifique. Tous ceux qui m'ont entendu la raconter le disent. En fait, ou bien les larmes leur viennent aux yeux, ou bien... Ou bien quoi? Ou bien elles ne leur viennent pas. Le titre de l'histoire est « Yeux de Haddock ». C'est le titre de l'histoire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas tout à fait cela. Ça, c'est comme cela qu'on appelle l'histoire, mais le titre exact est « Le très vieil homme ». Oh, donc j'aurais dû dire « C'est ainsi que s'appelle l'histoire ». Non, vous n'auriez pas dû. C'est tout à fait autre chose. Non, l'histoire s'appelle Façon et moyen, mais c'est seulement ainsi qu'elle s'appelle. C'est clair? Mais quelle est donc l'histoire, alors? Une minute, j'y arrive. L'histoire, en réalité, c'est... Assis sur la barrière. Je vais vous dire tout ce que je peux dire. Il n'y a guère à raconter, d'ailleurs. Je vis un homme âgé assis sur une barrière. « Qui êtes-vous, vieil homme ?» lui demandai-je. « Et comment vivez-vous » La réponse me passa par la tête aussi vite que l'eau au travers d'une écumoire. Il dit « Je cherche des papillons qui dorment parmi les blés. J'en fais des pâtés, puis je les vends dans la rue. Je les vends aux marins qui voguent sur les flots déchaînés. Et c'est ainsi que je gagne mon pain. Un pourboire, s'il vous plaît. Mais je songeais à un système permettant de peindre les favoris en vert et à toujours se servir d'un grand éventail qui vous dissimulerait. N'ayant aucune réponse à donner au vieil homme, je m'écriai « Allons, dites-moi comment vous vivez !» en lui assénant des coups sur la tête. Et il reprit le cours de son histoire. Il dit « Je m'en vais sur les routes, et quand je découvre un petit torrent, je le fais flamber. Et on en tire un produit que l'on appelle huile de Macassar. Mais 2 ou 3 sous, c'est tout ce que cela m'a rapporté. Mais je songeais à une méthode pour m'emplir le ventre plus vite et continuer jour après jour à devenir encore plus gros. » Je secouais le vieil homme d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que son visage vire au bleu. « Allons, dites-moi comment vous vivez, criai-je, et qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Je chasse les yeux de Haddock parmi les bruyères, et je les transforme en boutons pour gilets dans le silence de la nuit. Et je ne les vends pas à prix d'or, ni même pour des pièces d'argent. » Mais pour un simple sou de cuivre, on peut en acheter jusqu'à 9. Parfois, je creuse pour trouver des tartines beurrées ou je pose des gluaux pour prendre les crabes. Je fouille parfois les traces de roues des calèches. Et c'est ainsi, il cligna de l'œil, que je fais fortune. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais boire en votre honneur. Je l'entends enfin, car je venais de terminer mon invention afin de protéger le pont de Menai de la rouille en le faisant bouillir dans du vin.
Je le remerciais pour m'avoir expliqué comment il faisait fortune, mais aussi pour avoir souhaité boire en mon honneur. Et depuis, si par hasard je mets les doigts dans la glu, ou par étourderie, je glisse mon pied droit dans ma chaussure gauche, ou si je me laisse tomber un objet lourd sur le pied, je fonds en larmes, parce que cela me rappelle ce curieux vieil homme que j'ai connu un jour, dont le regard était apaisant, la parole traînante, dont la chevelure était plus blanche que la neige, dont le visage rappelait un corbeau qui semblait égaré par un grand chagrin, qui balançait son corps d'un côté à l'autre en marmonnant des mots à voix basse, comme si sa bouche avait été pleine de farine et qui renâclait comme un buffle. Ce soir d'été, il y a si longtemps, assis sur une barrière. Vous n'avez plus que quelques mètres à faire. Descendez la colline et franchissez l'orbisseau et vous serez reine. Seulement d'abord, vous devrez rester et me regarder partir. Ce ne sera pas très long. Vous attendrez et vous agiterez votre mouchoir quand je serai au tournant de la route. Je crois que cela pourra m'encourager. Je le ferai volontiers. Et merci de m'avoir accompagnée aussi loin. Et merci aussi pour l'histoire. Elle m'a beaucoup plu. Je l'espère. Et vous n'avez pas pleuré autant que je le pensais. Je suppose que je ne vais pas attendre longtemps avant qu'il disparaisse. Là, ça y est. Sur la tête, comme d'habitude. Cela dit, il se remet rapidement en selle. Sans doute parce qu'il y a tellement d'objets accrochés à son cheval. J'espère que ça lui a donné du courage. Et maintenant, traversons le ruisseau et devenons reine. Cela semble fantastique. Des rhumatismes, sans doute. J'espère que vous ne souffrez pas trop. Pauvre de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous n'avez pas froid ici? Et vous continuez, inquiète, angoissée. Je ne savais pas que les enfants étaient ainsi. Vous voulez que je vous accompagne de l'autre côté? Vous ne serez plus exposé au vent froid? Tracasserie. Ne pouvez-vous donc laisser un corps en paix? Voulez-vous que je vous fasse un peu de lecture? Vous pouvez lire si vous y tenez, mais personne ne vous y oblige, que je sache. Dernière nouvelle, la patrouille d'explorateurs a fait un autre tour dans la pâtisserie et a découvert 5 nouveaux morceaux de sucre blanc. Tous en parfait état. Sur le chemin du retour... Pas de sucre marron? Non, il n'y a rien d'écrit à ce propos. Il n'y a pas de sucre marron? Quel joli travail d'exploration. Sur le chemin du retour, ils ont eu un regrettable accident. 2 de leurs membres ont été empâtés. En quoi? Empâtés. Il n'existe pas de tel mot dans notre langage? C'est écrit en première page? Alors arrêtons là, merci. Vous n'êtes pas bien du tout. Je ne peux vraiment rien faire pour vous. Et tout cela, c'est à cause de la perruque. De la perruque? Vous seriez contrarié, vous aussi, si vous aviez une perruque comme la mienne. Je suis la risée de tous ceux que je croise, et ensuite je suis contrarié, et puis j'ai froid, je me réfugie sous un arbre, et je sors un grand mouchoir jaune, et je l'attache sur ma tête, ouais, tel qu'il est à présent.
Cette façon de l'attacher est efficace pour les rages de dents. Et c'est très bon pour la vanité. C'est une sorte de mal de dents. Oh, non. C'est quand vous vous tenez le front bien haut, ainsi, sans pouvoir pencher la tête. Oh, vous voulez dire torticolis? C'est un nouveau nom, je suppose. On l'appelait vanité à mon époque. La vanité n'est pas une maladie du tout. Pour moi, si. Attendez de la voir, et vous comprendrez. Et quand vous l'attraperez, vous essaierez d'attacher un grand mouchoir jaune autour de la tête. Et cela vous guérira quasi instantanément. Votre perruque serait moins risible, mieux coiffée. Quoi? Vous n'êtes pas coiffeuse par hasard? Vous croyez que je ne sais pas m'y prendre? À mon âge? Non, je n'ai jamais dit ça, mais vous devriez la peigner. Oh. Vous savez qu'elle est d'une dureté étonnante? Je vais vous dire comment j'ai dû me résoudre à en porter. Quand j'étais tout jeune, mes cheveux frisaient et se chiffonnaient sur ma tête. Un jour, ils me dirent « Tu devrais être rasé et porter une perruque à la place ». Mais quand j'ai suivi leurs conseils et qu'ils virent le résultat, ils dirent que ce n'était pas aussi saillant et aussi sémillant qu'ils l'espéraient. Ils dirent que la perruque ne m'allait pas. Et cela m'affligea beaucoup. J'en fus extrêmement peiné. Mais que pouvais-je donc faire, voyez-vous? Mes bouclettes ne pouvaient repousser. Aujourd'hui que je suis vieux et aigri, et que tous mes cheveux ont presque disparu, ils m'arrachent la perruque en disant « Comment peux-tu porter pareille énormité ?» Et à chaque fois que j'apparais, ils se moquent de moi en criant « le porc ». Et c'est la raison pour laquelle ils font ça. Parce que je porte une perruque jaune. Je suis vraiment très peinée pour vous. Et je crois que si votre perruque vous allait un peu mieux, ils se moqueraient bien moins de vous. Votre perruque vous va parfaitement. C'est la forme de votre tête qui le permet. Vos mâchoires ne sont pas si marquées, cela dit. Je suppose que vous ne mordez pas bien. Oh, mais je peux mordre ce que je veux. Mais pas avec une bouche aussi petite que ça. Si vous deviez vous battre, auriez-vous la possibilité de tenir l'adversaire par la peau du cou? J'ai bien peur que non. C'est parce que vos mâchoires sont trop courtes. Mais le sommet de votre tête est saillant et agréable. Mais vos yeux... ils sont bien trop rapprochés. Un seul suffirait largement quand vous les avez si près l'un de l'autre. Je crois qu'il faut que je me sauve. Au revoir. Au revoir. Et merci. Et maintenant, traversons le ruisseau et devenons reine. Cela semble fabuleux. La 8e case, enfin. Oui, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à devenir reine si tôt. Et je vais ajouter quelque chose, Majesté. Il n'est pas convenable de vous prélasser de cette manière. Une reine doit avoir une certaine dignité. Si je suis vraiment reine. S'il vous plaît, pourriez-vous... Parlez quand on vous adresse la parole. Oui, mais si tout le monde observe cette règle, si on ne parle que si on vous adresse la parole et que vous attendez qu'une autre personne commence, il est bien évident que plus c'est personne ridicule. Ne parlera... C'est ridicule. Que voulez-vous dire en disant si je suis vraiment reine? Vous ne pouvez être reine avant d'avoir passé l'examen adéquat et plus tôt nous commencerons et mieux ce sera. J'ai seulement dit si. Elle dit qu'elle a seulement dit oh, si. Oh, mais elle a dit bien davantage. Oh, elle a même dit encore plus que ça. C'est exact, voyez-vous.
Réfléchissez avant de parler. Toujours dire la vérité et écrivez ce que vous avez dit ensuite. Je suis sûre que je ne voulais pas dire... C'est justement ce que je vous reproche. Vous auriez dû vouloir dire quelque chose. À quoi, d'après vous, peut servir un enfant qui ne veut rien dire? Même un jeu de mots doit avoir un sens. Et un enfant est plus important qu'un jeu de mots, j'espère. Vous ne pouvez pas le nier, même à l'aide des deux mains. Je ne nie pas avec mes mains. Nul ne l'a prétendu, j'ai dit que vous ne pourriez pas si vous essayiez. Elle avait dans l'esprit de nier quelque chose, mais elle ne savait pas quoi nier. Un caractère sournois et méchant. Bien, je vous invite au dîner que donne notre amie Alice ce soir. Et moi, je vous y invite. Je ne savais pas que je devais donner un dîner, mais si c'est vraiment le cas, c'est à moi de lancer les invitations. Nous vous avons donné la possibilité de le faire. Mais vous n'avez pas pris assez de leçons sur les bonnes manières. Les bonnes manières ne s'apprennent pas avec des leçons. Les leçons servent à apprendre à faire des additions ou ce genre-là. Vous savez faire des additions? Combien font 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1? Je l'ignore, je n'ai pas eu le temps de compter. Elle ne sait pas faire une addition et une soustraction. De 8 retirer 9. 9 de 8, je ne peux pas. Elle ne sait pas faire une soustraction et une division. Si vous divisez un pain avec un couteau, qu'obtenez-vous? Je suppose... Des tartines beurrées, bien sûr. Essayez de faire une autre soustraction. Enlevez un os à un chien, que vous reste-t-il? Eh bien, ça ne peut pas être l'os puisque je l'ai retiré. Ni le chien, puisqu'il va courir après moi, et moi je ne resterai pas non plus. Alors vous pensez qu'il ne restera plus rien? Oui, je crois que c'est la réponse. C'est faux. Encore une fois, il restera la patience du chien, voyons. Je ne vois pas. Écoutez, comment. Le chien va sûrement perdre patience, n'est-ce pas? C'est possible, en effet. Et la patience que le chien aura perdue restera sur place. Ils pourraient suivre chacun leur chemin. Elle est incapable de faire une opération. Savez-vous répondre à des questions plus faciles? Comment est fait le pain? Eh bien, on prend de la fleur de farine et... Où cueille-t-on cette fleur? On ne la cueille pas du tout, on la pétrit. Quand vous répondez à une question, vous ne devez omettre aucune explication. Éventons-la, elle va avoir de la fièvre à force de réfléchir. Vous connaissez les langues étrangères, comment dit-on abadabra en chinois? Mais ce n'est pas du français. Qui a dit le contraire? Dites-moi dans quel langage on dit abadabra et je pourrais vous répondre. Les reines ne doivent jamais marchander. Je souhaiterais qu'elles ne posent pas de questions. Ce que j'ai, sommeil. Elle est fatiguée. Pourriez-vous lui caresser les cheveux et lui chanter une berceuse? Je ne connais malheureusement aucune berceuse. Sur notre bonne Alice, faites dodo, madame. Le repas se prépare, faisons un petit somme. Quand le festin sera fini, nous irons au bal. La reine rouge, la reine blanche et Alice et les autres. Vous avez entendu les paroles? Chantez pour moi, je suis un peu fatiguée. Faites dodo. Et je ne suis pas une domestique. Il devrait en avoir une marquée reine. On n'entre pas avant la semaine d'après la prochaine. Qui a-t-il? Où est le domestique qui est chargé de répondre à la porte? Quelle porte? Celle-ci, bien sûr. À quoi doit-il répondre? Je ne comprends pas. Je parle chinois ou quoi? Vous êtes sourde? Que vous a-t-elle demandé? Mais rien, c'est moi qui comme dessus. Il ne faut pas faire ça. Elle ne supporte pas. Laissez-la tranquille, elle vous laissera tranquille. Ah!
vous avez raté la soupe et le poisson. Apportez la viande. Vous m'avez l'air intimidé. Laissez-moi vous présenter à ce gigot de mouton. Alice, mouton, mouton, Alice. Puis-je vous découper une tranche ? En aucun cas. Il est contraire à l'étiquette de découper quelqu'un qui vous a été présenté. Reprenez le gigot. Je ne veux pas être présentée au dessert ou nous n'aurons pas de dîner du tout. Gâteau, Alice, Alice, gâteau. Remportez le gâteau. Serveur, rapportez le gâteau. Quelle impertinence! Que diriez-vous si quelqu'un découpait une tranche de vous? Prenez note. Il est ridicule de laisser un gâteau être le seul sujet de conversation. Voyez-vous, on m'a récité tant de poésie un peu partout aujourd'hui. Et c'est très curieux. Chacune d'elles parlait de poisson, d'une certaine manière. À la santé de la reine Alice. À la santé de la reine Alice. Il serait agréable que vous répondiez par un discours. Nous devons la soutenir. Je voudrais vous... Prenez soin de vous-même. Quelque chose va se passer. Vous n'êtes pas coiffeuse, Barbara. Portez ça plus longtemps. Je suis là, moi. Maman. Je suis désolée, chérie. Nous pourrons continuer demain soir. D'accord. Tu veux Monsieur Morse? Bonne nuit. Bonne nuit. Ce n'est pas un carnet de mots de vos sentiments. C'est la fin de mon jeu. Toutes ces choses. Bonne nuit, Hamdi. Déjà efface juillet. Et toujours pourtant me hante l'image d'une Alice se déplaçant dans le ciel pour un voyage au bout de la terre. Pendant que les enfants, subjugués par la magie de l'histoire, se pelotonnent les unes contre les autres, elle arrive dans un pays de monts et merveilles où brille un soleil sans pareil, se laissant voguer au fil de l'eau dans un jour qui s'achève. La vie ne serait-elle qu'un rêve? Oh,